Bonjour à tous et bienvenue sur Buzz TV, la chaîne de l'actu. Aujourd'hui, nous allons revenir sur les obsèques de Gaspard Huel, ses parents très émus au Père Lachaise. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Gaspard Huel est mort à l'âge de 37 ans après avoir été victime d'une grave chute en ski. Les obsèques de l'acteur ont eu lieu ce jeudi 27 janvier à Paris, un événement que ses parents, Christine et Serge, n'auraient pas manqué pour rien au monde. C'est une épreuve qu'a affronté le milieu du cinéma en ce jeudi 27 janvier. 8 jours après la mort de Gaspard Huel, dans un accident de ski survenu au domaine de la Rosière, ses obsèques ont eu lieu en église de Saint-Eustache, située dans le 1er arrondissement de Paris. Les plus grandes stars du 7e art, celles avec qui il a partagé l'affiche de ses nombreux films et celles qui n'auront pas eu la chance, étaient réunies pour rendre un dernier hommage à Gaspard. Ses proches se sont montrés très dignes dans la douleur. Son ex-compagne Gaëlle Pietri et leur fils de 6 ans Orson ont accompagné le comédien dans son dernier voyage, tout comme les parents de l'acteur, trop tôt disparus, Christine et Serge Huliel. Le couple a fait face à la douleur, face à beaucoup d'émotions, d'humilité et d'amour, malgré le côté contre-nature de l'épreuve qu'ils viennent de traverser. Christine et Serge avaient déjà fait plusieurs apparitions du côté de leur fils sur les tapis rouges, mais c'est dans le milieu de la mode que le couple fait sensation. Christine est styliste, quand Serge est designer. Des métiers prenants dans lesquels chacun s'est fait une place de choix. On comprend mieux la fibre artistique de Gaspard et son penchant pour la tenue élégante et classe de chacune de ses apparitions. Son style et sa grâce lui avaient même valu de devenir l'égérie du parfum Bleu de Chanel. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner.